satisfait de cette édition 2017 de la Fête de la Science? Oui, oui, beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une immense joie, parce que c'est un rêve qui s'est exaucé en fin de compte. Ce petit festival était d'une demi-journée au départ, il est passé d'une journée et là il est passé sur une semaine et encore une journée sur les vacances. Donc pour nous c'est une réussite, en plus on a le soleil avec nous, c'est merveilleux. Et vous, en termes de fréquentation, vous êtes... on est vraiment ravis parce que alors pour la journée d'aujourd'hui, qui est la journée du tout public, on en est déjà à plus de 300 entrées. Au comptage les collègues. D'habitude sur nos événements on compte entre 100 et 150 les gros événements, donc là on a déjà doublé. Et sur la fréquentation des scolaires, donc à aujourd'hui, donc lundi, mardi plus mercredi matin, alors là on en a déjà eu 533 et sont à venir encore 380 enfants. 385 enfants, voilà. Donc, c'est une grosse organisation, on est bien rodés puisqu'on la travaille depuis le mois de janvier en comité pluridisciplinaire. Donc voilà, on est content. De l'édition 2017 de cette Fête de la Science, c'était océanographie et climatologie. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce thème? C'est un vaste thème, océan et climat, hein. On pourrait faire le tour de la planète. Ce qui est essentiel, là, nous aujourd'hui on était avec des enfants, c'est qu'on a essayé de leur apprendre à travers des manips, des petites choses simples qu'ils peuvent découvrir, par exemple l'acidification des océans. Ça paraît être un mot compliqué comme ça, mais c'est extrêmement simple, savoir comment le CO2 rentre dans l'océan et comment justement l'acidification peut faire disparaître la faune ou des choses comme ça. C'est tellement vaste, c'est la montée des eaux aussi. On ne se sent pas forcément concerné, nous en France, quand on regarde les choses de plus près. D'ailleurs, de façon générale, on ne se sent pas trop concerné par le réchauffement climatique. Mais ça arrive vitesse grand V, sans affoler qui que ce soit, ça arrive vitesse grand V parce que... Bah parce que les océans y montent, que les littoraux sont attaqués par l'océan forcément, et ça existe déjà quasiment. J'étais avec un spécialiste de l'océanographie et qui surveille toutes les côtes françaises, et je lui dis, mais il y a des côtes qui sont plus menacées que d'autres. Alors il me dit, bah oui, forcément, on va penser à la Camargue, on va penser au littoral aquitain. Il me dit, mais toute la Bretagne commence à être attaquée par ce genre de choses. En tant que journaliste scientifique, vous avez probablement des domaines privilégiés, des domaines que vous préférez. Quels sont-ils?
Ça, c'est une question qui est dure parce que, en fait, moi, à l'origine, je ne suis pas scientifique, je suis journaliste et puis pendant plus de 20 ans, on a fait C'est pas sorcier et je me suis rendu compte en traitant les sujets, des fois, je me disais toujours. Oh bah, ce thème-là, il me plaît plus qu'un autre. En plus, je vais aller sur un volcan, ou je vais aller nager avec les baleines à bosse, ou des choses comme ça. Mais en fait, tous les sujets sont passionnants. Il suffit d'être curieux, il suffit d'ouvrir les tiroirs. Et nous, quand on préparait les émissions C'est pas sorcier, des fois, je me disais, ça m'intéresse un peu moins. Par exemple, un peu moins la chimie, ou un peu moins les choses comme ça. Et en fait, quand on se pose les questions et qu'on commence à avoir les réponses, c'est super intéressant de savoir comment ça marche un savon, pourquoi ça enlève la saleté, comment on fait de l'acier, comment tout, en fait, tout est intéressant. Bon, après, c'est sûr que comme moi j'étais le journaliste de terrain, de C'est pas sorcier, il y a des terrains qui sont très très sympas à découvrir, quoi. Les grands espaces, des populations qui ne sont pas tellement connues et qui sont éloignées. C'est vrai qu'on en prend plein la vue et puis on apprend plein de choses. Mais franchement, tous les domaines des sciences sont intéressants à partir du moment où on est un peu curieux et à partir du moment où on commence à comprendre les choses. Quand on commence à comprendre les choses, ça apporte une sorte de satisfaction qui fait que, ah ouais, c'est vachement intéressant. Donc on peut s'intéresser à tous les domaines, en fait. Je suis flou, hein, quand je peux pas être flou, mais c'est la réalité pour moi. Pour moi, c'est la réalité. Parce que si je vous dis, moi, il n'y a que ça ou ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai découvert plein de domaines scientifiques qui ne m'attiraient pas a priori, où j'ai appris plein de choses, et à partir du moment où on comprend comment marchent les choses, ça devient intéressant. Hein. Et est-ce que vous pensez que les enfants d'aujourd'hui sont mieux sensibilisés qu'il y a quelques années ? À quoi ? Aux sciences, oui, par exemple ? Aux sciences en général, oui. Et au changement climatique. Ah, au changement climatique. Bah, je pense que les enfants, ils en entendent pas mal parler du changement climatique. Je ne sais pas s'ils comprennent exactement toujours ce qui se passe. Parce que là, j'ai constaté aujourd'hui, mais il y avait tous les âges, que... Bah, y a une petite tendance, mais qui est normale, à confondre la pollution, mettre par exemple le réchauffement climatique ou l'effet de serre dans la pollution, mélanger un peu le trou dans la couche d'ozone avec l'effet de serre, enfin bref. Il y a des phénomènes qui sont un peu compliqués, je ne sais pas s'ils comprennent tout, ça dépend de l'âge, mais déjà c'est à nous de leur expliquer, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu vaste, mais ils en entendent forcément parler, quoi. La communauté de communes Adour-Madiran, en partenariat avec la MJC, l'association Les Tidés Brouillards, ont souhaité porter ce projet à Fête de la Science à Vic, en Bigorre, pour l'ensemble des écoles du territoire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je pense que c'est une bonne initiative que la communauté de communes fasse ça, parce que il faut un peu de moyens pour réussir à monter un événement comme ça. Et il faut que la science soit ouverte à tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que les communes qui sont plus loin ou qui ont moins de moyens pour permettre à leurs enfants de découvrir les sciences, tous les domaines, ne puissent pas y participer. Donc c'est bien d'associer, c'est simple, hein, c'est le principe d'associer les forces pour permettre à tous les enfants, et puis la science, ça doit être accessible à tous, il n'y a pas de milieux sociaux, il n'y a pas d'âge, c'est pas un domaine qui doit être réservé à qui que ce soit, tout le monde peut aller dans les métiers de la science, donc faut faire découvrir ça dès le plus jeune âge à tout le monde, donc faut trouver les moyens pour réussir à les faire venir, et c'est pour ça que c'est bien que ce soit fait. Et où il y a des communes qui ont la chance d'avoir suffisamment de moyens pour monter cette opération, mais ce ne serait pas très juste qu'une autre commune qui est un peu plus éloignée ou qui soit proche n'ait pas les moyens et que les enfants en pâtissent et ne puissent pas avoir accès à la connaissance. Donc je pense que c'est l'intérêt justement de ces communautés de communes, c'est de réunir les forces pour pouvoir, à un moment donné, permettre à tous les enfants de découvrir un domaine, quoi. On ne va pas commencer à dire à certains, toi, tu n'as pas le droit, et toi, tu as le droit, quoi. Ça, ce serait inacceptable. Et puis, en plus de ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire aujourd'hui, mais moi, je le vois très souvent, c'est qu'il y a plein de jeunes. Non seulement la science, ça doit être accessible à tous, mais la science, je suis sûr que, comme la science est présente vraiment dans notre quotidien, elle va s'ouvrir à plein de métiers.
et très, extrêmement large, peut-être même des sciences qui vont se croiser entre des sciences sociales, parfois des sciences un petit peu plus classiques, parce que les problèmes scientifiques deviennent de plus en plus complexes, et il y a plein de métiers qui vont s'ouvrir là-dessus. Donc c'est quand même la responsabilité des adultes, et aussi des politiques, d'ouvrir l'esprit des jeunes, d'attiser leur curiosité pour qu'ils s'intéressent à ces choses-là, parce que je pense que ça va être des domaines où va y avoir du travail. Et en plus de ça, ce sont des domaines qui sont passionnants, quoi. Quel sentiment avez-vous de voir tous ces enfants, ces jeunes, découvrir et pratiquer les sciences aujourd'hui à Vitam Vigor? Je pense que c'est une réussite de la journée. L'objectif de la journée, c'était que tous les enfants du territoire, en tout cas maximum des enfants du territoire, puissent avoir une approche de la science et également de la culture au travers de la science. Donc c'est un grand plaisir, bien sûr, pour tout le monde de voir tous ces enfants-là aujourd'hui. Le rôle de la communauté de communes, on est porteur du projet. Donc bien sûr, la fête de la science est une fête nationale et puis on la décline localement. Et donc l'avantage de la communauté de communes, c'est de pouvoir rassembler tout le monde autour d'un projet. Quand je dis tout le monde, c'est collectivité, la commune de Vic et également les différentes associations qui ont pu participer à cette journée. La mutualisation des moyens, également un élément fort. Une commune isolée, toute seule, bien sûr, ne pourrait pas faire une manifestation comme celle-ci qui a quand même un coût. Donc on mutualise les moyens et on partage sur le territoire de manière équitable et solidaire pour que tous les enfants puissent bénéficier de cette journée.